Bonjour, je m'appelle Guillaume Prévost, je suis romancier, j'écris à la fois des romans jeunesse, mais surtout du roman policier historique. Et en particulier, je viens de publier le 4e volume d'une série, Les enquêtes de François Claudius Simon, qui se passe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors François Claudius, c'est un personnage auquel je suis particulièrement attaché. C'est un jeune homme qui est né à la fin du 19e siècle, orphelin, que sa mère un jour retrouve dans un orphelinat, mais elle disparaît très vite. Donc il a une existence un peu perturbée, il se pose beaucoup de questions sur son passé, qu'est-ce que c'est que cette mère qu'il a abandonnée plusieurs fois. Et il va faire la Première Guerre mondiale, qui a été par définition la grande absurdité. Il est blessé. Et au lendemain de la guerre, eh bien, il décide d'entrer dans la police au quai des Orfèvres, 36 quai des Orfèvres, à un moment où se crée la police scientifique, où on commence à utiliser de nouvelles méthodes pour faire des prélèvements, des empreintes digitales sur le sang. On utilise des photographies pour que les scènes de crime puissent être à disposition sur des photographies, etc. Donc il décide d'entrer dans la police en se disant ben, « si je réussis à donner du sens à des crimes qui a priori n'en ont pas, ben, peut-être que je vais aussi donner du sens à mon existence ». Et donc on le suit dans cette série, il a 27-28 ans et il commence une première enquête qui s'appelle « La valse des gueules cassées » où il va partir sur les traces d'un assassin qui s'en prend visiblement à d'anciens soldats et qui ne se contente pas de les tuer, ce qui n'est pas bien déjà, mais qui en plus les défigure un peu à la manière des gueules cassées. Et c'est un moyen d'approcher aussi ces lendemains de la Première Guerre mondiale, où la France a été traumatisée collectivement avec un peuple qui se remet difficilement de ce bilan très lourd, 1,5 million de morts, des veuves, des orphelins. Et le symbole le plus fort, sans doute, de cette période-là, c'était justement les gueules cassées, ceux qui ont vécu dans leur chair la douleur de la guerre et qui la vivront tout le temps, puisqu'ils en conservent des traces avec des visages bouleversés sur lesquels on va tenter des opérations multiples, souvent sans succès. Et ça dit bien un petit peu cette quête d'identité de cette France au lendemain de la guerre. Et après ça, eh bien, on va suivre François Claudius dans d'autres enquêtes. La suivante en plein milieu de la conférence du traité de Versailles, à un moment très particulier, ça s'appelle le bal de l'écarisseur, où eh bien, les Alliés viennent de donner aux Allemands le traité de Versailles. Et le contenu du traité de Versailles est tellement dur, les clauses en sont tellement lourdes pour les Allemands, qu'on est à peu près certain que les Allemands ne signeront pas ce traité de Versailles. Et donc on se prépare fin mai, mois de juin 1919, à repartir en guerre. On remobilise des troupes, le maréchal Foch fait des plans pour aller à Berlin. On est quand même en 1919. Et donc dans ce moment de lourdeur politique, eh bien, il y a une intrigue qui se développe autour de Clémenceau avec des meurtres aux abattoirs de la Villette, des corps qu'on retrouve démembrés, un écarisseur qui envoie des messages lourds de menaces au gouvernement. Et c'est comme ça donc que se déroule sa deuxième enquête. La troisième enquête se passe dans le milieu du cinéma, ça s'appelle « Le quadrille des maudits ». À un moment où le cinéma français était un peu en perte de vitesse, le cinéma français qui avait dominé le cinéma mondial jusqu'à la Première Guerre mondiale, et pour faire face à la concurrence américaine, déjà très forte à l'époque, eh bien, les producteurs français tournaient ce qu'on appelait des sériales, qui sont un peu les ancêtres des séries policières d'aujourd'hui, des petits formats de 20-25 minutes, intégrés souvent dans des programmes de cinéma plus longs, puisqu'à l'époque, les programmes de cinéma duraient souvent 3-4 heures. Et c'était des histoires souvent abracadabrantesques, avec des meurtres, avec des rebondissements souvent improbables. Et François Claudius va partir cette fois sur les traces d'un criminel qui copie ce qui se passe à l'écran pendant ses sériales pour tuer des spectateurs à la manière dont les événements se produisent à l'écran. Donc évidemment, grande inquiétude dans le tout Paris, qu'est-ce qui se passe dans les cinémas, et c'est un moyen aussi de visiter les studios de Vincennes, etc. Et le dernier roman qui vient de paraître, qui s'appelle « La berceuse de Staline », qui est publié aux éditions Nil, mais qui sera bientôt en 10-18,
nous emmène cette fois en Russie, en pleine guerre civile, où François Claudius part retrouver sa fiancée, qui est une révolutionnaire communiste, et il va découvrir cette Russie dans un état quasiment post-apocalyptique, qui sort de la guerre civile, où c'est la famine, où des destructions sont partout, que ce soit à Moscou, à Petrograd, et il est embarqué dans une enquête un peu obscure autour d'un Staline qu'on accuse d'avoir eu des relations avec la police politique impériale, qu'on accuse de traîtrise, et le voilà dans ce milieu un peu dangereux où il essaiera à la fois de sauver son amour, de sauver sa vie et de résoudre cette enquête.